ma VOD. Bonjour VOD. On est sur Stray. Suite du jeu. Et on avait un mot de Momo qui laisse des mots. Regarde, une note. Ça résonne un peu trop. Regarde, une note. Petit extérioriste, si tu es ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour ouvrir est assez simple. C'est... Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar. Maman. Vous êtes le code pour la fenêtre. Nanini. Tout à fait, hein. Vous êtes le code pour la fenêtre, le code qu'il nous a donné. Il y a un code pour une fenêtre. En vrai, c'est chelou, un code pour une fenêtre. Moi. Ok. Il a bloqué la fenêtre. Mais quelle fenêtre? La fenêtre du bar, c'est ça? On doit passer, on doit aller au bar. Ben je vais au bar. Ah, c'est ça le code. C'est le verrou de la fenêtre. Le code, c'était... je crois que c'était un H. Erreur de touche. Non, c'est faux. Ok, on recommence. Après, c'était un O ou un 0. Validation! Maman nous attend au bar. Mais j'y sais! C'est où le bar? Oh, je sais pas, je suis un chat. Voilà. C'est bon, je me sens mieux. Je me sentais pas bien. Oh, il est trop mignon! Voilà. Ça, je peux pas les pousser avec ma patte, c'est bien dommage. Le bar. Oh, je sais plus, hein. Je sais plus du tout, mais c'est pas grave. Oh! Oh! Mais dis donc, encore une canette? Mais trop bien! J'en ai combien? Alors, j'en ai une, deux, trois... 4. J'en ai 4. Oh, la musique. Elle s'excite un peu, mais elle est stylée. Donc si aujourd'hui est le lendemain d'hier... Aujourd'hui... Pas vrai, le temps est étrange. On ne vieillit pas comme nos ancêtres, les mous. On est enfermés ici pour toujours. La musique, elle s'excite un peu, ça fait peur. Ah oui, elle avait la mamie. J'ai pas rencontré vous. Mimi va fabriquer ses vêtements plutôt qu'un trou. Tu veux quelque chose? Chaque fois que je montre mes objets à quelqu'un, ça sert à rien. Programmation Elliot, frappe à la porte, nous ouvrirons. Ouais, ça j'ai déjà fait. Ah mince, je me suis trompée. Je dois faire ça, je dois faire la voix 1. C'est très pile! Il a un bout de poil. Viens voir, j'ai réussi à capter un signal. Hey Momo, le bro. Momo, c'est le bro. Tu veux quelque chose? Ok. Ah, il me demande de venir là, mais je suis trop pipou.
caresse le chaton. Voyons si je peux faire marcher ce truc là. Oh, il a l'air trop blasé le PC. Si j'étais un PC, je serais comme ça. J'ai failli la voir. Quelle voix je fais là? Attendez, je vais faire. Ah bah c'était encore deux robots. Ouais, on va dire que c'est ça. Allô, quelqu'un m'entend? Allô, oui, on t'entend. On va détruire, on cherche une sortie. Attends, c'est toi, Zbaltezia? Maman! C'est incroyable, je suis content d'entendre son témoignage, Zbaltezia. Où es-tu? On a trouvé comment monter! Tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts! J'ai pris de jouer! Peut-être que j'ai des partout! C'est chaud de faire du RP, mais je me donne à fond. J'ai goût comment ça? Allô? Bon sang, on a perdu le signal! Dis-moi pas, le plaisir est en vie avec les autres avec ils ont réussi à remonter les égouts! Ah, les égouts, pardon. Les égouts sont entre le plus dangereux des taudis, mais si ce n'est pas un affaire, il doit y avoir un moyen. Je ne passerai jamais par les égouts, c'est un festin de Zerf. Il ne ferait qu'une bouche de vous, et surtout toi, petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu. Et puis, c'est pas mes moignons. Ah, le type mystérieux qui part avec une façon mystérieuse. Mon père Doc était un grand scientifique et travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Zerfs. Il y a quelques années, il est allé tester cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis, Sylvie n'a jamais été le même. Comment les robots peuvent avoir des parents? Oh, c'est peut-être un humain? N'écoute pas si Sylvie a aussi peur que moi, c'est tout. S'il a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Je vous garderai donc avec un labo secret. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. On va aller fouiller les apparts. Ça va, ça va, ça va. C'est ce qu'on est, ça. Let's go. Ah. Jacob, employé du mois. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais déjà lu. Il est parti où? Il a dit, je suis moi et puis je vois plus. J'ai paniqué un peu, mais ça va. Je monte par pur principe, parce que je peux monter. Mais j'ai pas besoin. Hein. Je peux le faire, c'est tout. Alors je vais. Ah non, 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 c'est pas là. Allez, Sylvie, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Allez, s'y attendre, c'est pas facile pour Sylvie. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes. Il m'aidera pas avec toi. Oh, j'ai une idée. Je vais m'infiltrer chez lui, ça je sais. Je me transforme en criminel. Un chat peut être un criminel? Tiens, prends le carnet de Doc et va le montrer à Sylvie. Même Jackie, mais c'était déjà à moi. Espérons que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret, petit extérioriste. Je retourne au bar pour tenter d'établir le contact avec les autres. Arrête d'essayer de trouver un prétexte pour aller au bar.
Tu veux te pâter à l'huile de, vidange? Pas de vidange. Ouais, je peux monter partout. Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit. C'est pas avec ces goûts d'une mission suicide, n'est-ce pas tranquille? Qu'est-ce que c'est? C'est celui de mon papa. Je ne savais rien. Une pièce secrète dans notre appart, mais où ça? Bah, tu m'aides beaucoup. Bah, il me laisse rester au moins. On va chercher la pièce secrète dans l'appart. On a vraiment fait le tour de l'appart? Pas de regret de ta part. Les indices cachés. Bon bah on va chercher les indices hein. On cherche les indices. Bah déjà regardez ça, c'est un petit peu... On va se gratter, on va gratter ici. Regardez le papier peint, il est bizarre. C'est ici, je sais, c'est ici. C'est ici, je le sais. Mais c'est ici. Regardez, c'est complètement... C'est complètement une pièce secrète, comment je peux lui montrer? Trouver. Bah ici. Ah, faut que j'ouvre la porte. Voilà. Ah, faut que j'ouvre le code. Il tire tout de chez quoi, il est rigolo. Total le bordel. Roule le long du mur. Je promets, j'ai essayé. La même touche, mais ça marche pas pareil. Le temps est la clé. Oh d'accord. Alors, c'est petite aiguille, des grandes aiguilles. Mais c'est petite aiguille. 2. 5. 1. 1. C'est ça, hein? 2, 5, 1, 1. Ouais, moi aussi j'ai pensé à Simus Replay. Samus Replay. J'ai eu Simus, mais je me suis dit, tiens. Pas étonnant qu'il soit relou celui-ci. Oh, y a un Zerx. Observation. Joli bruit, mais jamais gentil. Les bactéries des temps humains mangent toutes sortes de matières totalement nictalopes. Sensibles à la lumière. Je n'ai jamais vu cette pièce. Je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. Et puis on s'est en doute pour une arme contre les cerfs. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit qu'il a fonctionné en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti cet audit pour ne jamais revenir. Enfin revenu aux œufs officiellement hors de contrôle, ils se mettent à manger le métal. Ouais. Ah, trop bien! Pour un truc, aucune idée de ce que c'est. Plan du défuseur, concept de pistolet à base de lumière, priorité faible apparence, priorité faible apparence visuelle, taille dessinée à l'ennemi, priorité élevée, test en condition réelle, objectif 20 heures détruits par seconde. What? Oh, l'objectif du fou?
Ok, bon, faut que je montre ce que j'ai trouvé à l'autre. Arrête, Cho ! Voilà. Tu trouves des trucs intéressants ? Attends, je viens de faire un saison traceur ! Ouh ! Papa, c'est sa récente saison traceur pour surveiller. Pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Ah, il faut que papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Oh, une arme contre le cerf, pas vrai? Mon père en a pris une avec lui, c'est certain. Je vais juste préparer le traceur pour le trouver. Ah, on doit juste préparer. Une idée de Tipeee. T'avais vraiment pas remarqué qu'il y avait un souci avec le papier peint? C'est nul. Ouais, merci. Niu Momo. Faut que quoi? Repérer ce traceur. Quelqu'un m'aide à repérer le traceur. Bon. Vénère. Tu nettoies très mal. Ouais, faut que je répare. Salut Gink. Donc il va suffire. J'ai trouvé. J'ai vraiment du mal à rétablir la connexion. Tu trouvais quelque chose d'intéressant, GSM? Ça m'apparaît intéressant, mais ils sont cassés. Quelqu'un pourrait peut-être t'aider à réparer au village. As-tu posé la question au bord? C'est pas du courant, toi. Qu'est-ce que tu veux? Un bel objet. Et là aussi, je connais quelqu'un qui répare ces trucs-là. Il y a beaucoup de talent, même s'il est un peu... Enfin, tu verras. Il s'appelle Elliot. Son bureau est juste à gauche d'ici. Elliot, Elliot, oh! J'ai chaud! Oui, je te comprends, je te comprends. Moi, je vais allumer le ventilo. Attendez un... Mets mon petit ventilo. Voilà, ça souffle sur mes gambettes. À gauche. C'est celui où il y a écrit frapper. J'aime bien foutre le seum. Il y a trop le seum. Un azimut. Bah, où qu'il est? On est passé devant tout à l'heure. J'ai déjà oublié. Alors, à la taupe! Oui, le seum! Qu'est-ce qu'il y a, Vendy, pour que t'as le seum? Dis-nous tout! Ils nous feront tout pour régler ton souci! Ah, si, si! C'est là. Je rentre du taf. Ah, tu rentres que maintenant? Oh!
Maintenant, on va faire attention. Il a trébuché sur moi. Ça remarque si je me remets devant. C'est incroyable! On peut faire trébucher le robot! Non mais what the fuck, je peux faire tomber un robot en mettant sur son chemin! Ah mais c'est tellement drôle! J'ai jamais vu ça! Attends, non mais c'est incroyable comme ils ont pensé à faire ça. Ah, oh, c'est vraiment le meilleur jeu du monde en fait. C'est pour avoir pensé à ce détail du... Ouais, tu parles dans la rue, tu fais pas gaffe, il y a un mec qui passe, il trébuche sur toi puisqu'il n'y a pas de chat, donc il regarde jamais en bas. Il n'y a pas de chat dans ce monde. Mais c'est trop drôle. C'est un truc de fou. Alors attendez, c'était où? Je sais plus. J'ai été perturbée là, c'était trop drôle. Là. Il faut que je montre du coup le truc à Elliot. Je suis là. Ah mais c'est Nestor, allez! Ah c'est lui Elliot. J'avais déjà fouillé il me semble ici. Hein. On pouvait sortir par l'eau. On pouvait faire les griffes. Oui, je peux t'aider. Vous êtes mis en train de faire des trucs. Oh ouais, mon super traceur. Tenez, je connais, c'est un Toima. Toima. DR2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget. Tu permets? Je peux réparer ça, mais quand je tremble tant, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ignore si je suis malade, mais je me sens pas bien, c'est sûr. Je n'arrive pas à travailler quand je tremble autant. Si tu veux que je répare ton traceur, il me faut une couverture. Couverture? Me dis pas qu'il faut que j'achète un poncho, j'ai pas beaucoup de canettes, hein. Bah ouais. J'ai demandé à celui d'en bas s'il sait. Hypochondriaque, ok. Lui ramener des vêtements. T'en as pas de tes vêtements? Vas-y, file tes fringues. Bon. Bon bah je vais avec mes tricots là. Bien d'une couverture. J'aime beaucoup le tricot, je suis à 770 km de poncho tricoté. Ce n'est pas rien. Si tu me trouves du câble électrique, je pourrais te faire un poncho. Est-ce qu'un poncho, ce sera considéré comme une couverture? Il n'est pas très gros, ça tu nourris bien? Ben j'ai rien trouvé moi pour le nourrir depuis le début. Oh prenons, il est normal hein. Un chat, c'est pas censé être plus gros hein.
Bon, il y a les trois quarts des chats d'appartement qui sont obèses, mais en vrai, hein. En vrai, un chat, c'est pas plus gros, hein. Merci, Relatop! Merci beaucoup! Mais pourquoi tant de douceur? Merci! Merci pour le sub offert à Caramel! Lololo, mignon! Monsieur Skull et Kayla Fox. Kayla, pas Kayla. Merci, c'est vraiment adorable! Merci beaucoup! Oh! Je peux pas courir? Ah si! Merci beaucoup! C'est trop sympa! Je ne sais quoi dire. À part plein de fois merci. C'est adorable. Merci à toi. Oh bah tu sais, je fais que miauler, hein. Très gentil, vraiment. Hésitez, moi. Merci beaucoup! Bon, j'essaie de revenir à ce que je faisais. Des vêtements. J'ai une petite idée. Non plus, je sais pas quoi dire. Je peux réussir. Ah! Attendez, j'ai une petite idée. Parce que l'autre problème, c'est que si j'achète un poncho, si ça se trouve, l'autre, il en voudra pas parce que ce sera pas vraiment une couverture, ce sera un poncho. Alors que lui, là, peut-être prendre des vêtements ici, non? Bon, apparemment, je peux pas, mais... Mais dis donc, merci beaucoup! Mais qu'est-ce qui fait que... Mais merci! Faut rien dire. Bah si, j'y merci! Ah mais Striki, Raven War, Crop Circle, Potty Sims et Ice T-Rex. Ice T-Rex, je me rappelle pas avoir vu ce pseudo. Je vois pas. Non, c'est adorable, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, je pense qu'il me faut qu'il faut que j'achète des trucs à mémé tricot, là. Vraiment, merci beaucoup. C'est très touchant. C'est très gentil, c'est un très très gros soutien. Ça me permet d'acheter des yeux de chat. Des jeux de chat, pas des yeux. Oh merde, non, je peux pas l'enlever. Parce que là, les commandes sont inversées. Elles s'inversent tout le temps, j'ai l'impression. Bordel. Non, elles s'inversent. Allez, lâche. Ah, voilà. Bon, tout à l'heure, on ira lui donner une partition à lui pour qu'il nous donne. Oh! Il va pas pouvoir m'aider. Il est où le vendeur? J'ai pas vu. Regarde tout ce qui tombe dans nos poubelles, dans notre poubelle. Tous ces trésors. Je voudrais rendre visite au troqueur, il y en a pour tout le monde chez lui. Oui, mais bon, si j'achète un poncho et qu'en fait il veut pas de poncho, et ben j'aurais acheté un poncho pour rien. Lito. Rencontrer. Viz, Vinz. Ah, tous ces objets cachés dans nos poubelles, blablabla. Bon, bah je vais parler au troqueur et je vais peut-être lui prendre ses câbles électriques alors. Contre de la lessive. Mais c'est fantastique, j'avais pas. Bah tiens, je te filme la lessive. Ça a marché. Mais c'est génial. Punaise, il m'a chuché contre la lessive. Oh, c'est pas toi que je dois aller voir. Let's go. Chercher le poncho.
Pas par là. Oh, j'ai un dérapage. Il est où le gars que je le fasse tomber? J'arrive plus à le faire tomber. Je ne fais que trébucher. Hé, mamie! Oh! Salut, petit, tu m'as trouvé des câbles électriques? Oh. Merci, mon cher, je me mets au travail immédiatement. Et voilà pour toi, mon fils, ça va t'aller parfaitement. Vraiment? Mais c'est pas pour moi, c'est pour un robot! À quoi là? Tu l'avais laissé dans la rue le lendemain, les autres avaient tout bouffé! C'est dingue, bon! Ils peuvent manger n'importe quoi! Ça, c'est dingue, ça! Mais c'est dingue, ça! Alors, je peux faire plusieurs trucs, je peux déjà faire ça. Il y a toujours des trucs bizarres. Ça arrive toujours des trucs bizarres, mec. Hein. Je peux pas quitter notre village, c'est trop dangereux. En plus, je vais garder ça à pouvoir ouvrir cette porte. Ok. Bah, je les avais pas encore rencontrés, c'est bien, je rencontre tout le monde. Oh, ça. C'est une porte? Bref, poncho. C'était qui? J'étais chez machin, et machin était là-bas. Puis après j'allais là, puis après je faisais ça. Un poncho avec des câbles électriques et plus si affinité. Oui. Vos deux phrases vont bien ensemble. Il a l'air de le gêner un petit peu sur un nez quand il marche, quand même. J'ai beaucoup aimé le fait qu'au début, quand le personnage lui a mis... Quand le robot lui a mis le harnais, le chat était tout à plat, il savait pas quoi faire. Il arrivait à peine à marcher. Bon, j'espère que ça va marcher le poncho, hein. Tu as trouvé ça, c'est génial! Laisse-moi l'essayer. Regarde, plus de tremblement, je peux travailler à nouveau. Merci, maintenant je vais vraiment pouvoir réparer ton traceur. Moi c'est traceur. Laisse-moi regarder, tu fais du mise à jour, et puis t'as dit pas live, et gna 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 gna. Mais pourquoi tu fais ça, c'est trop mignon, merci beaucoup, je sais plus quoi dire. Mais Relato, fais le fou! J'espère que ça fait pas trop! Merci! 25 abonnements du coup en tout, merci beaucoup! Pour la bocado à Dice, Joke le loup, Isaac, Bale, Papien, Acid, Fabrice. Merci! Bise, bah des bisous, merci beaucoup! Un super méga merci, des tétra merci même! Merci beaucoup! C'est vraiment trop mignon. Merci, je sais plus comment dire merci. C'est rêve bleu, effectivement. Mais dans la version la plus poétique qui soit. Non, mais c'est vraiment adorable, ouais. Vraiment. Merci beaucoup. Mince, j'ai pas lu. Je me trouve pas un peu palo. Ah ça, il me l'a donné le truc réparé. Je vais aller donner à Momo. Un tapis? C'est un tapis, ça.
Voilà. Je suis tenu à fond, ça. Vous voulez qu'il se fasse des griffes, le chaton? Là. Merci! J'ai vraiment du mal à rétablir la connexion. As-tu trouvé des trucs? Hein? Ah non, faut que je montre à Simus. Ah, machin. Il est où déjà Simus? Oubliez-moi. Incroyable quand même qu'on puisse faire tomber des robots, c'est le meilleur jeu pour ça. Ah mais regarde un écran. Un fond d'écran même. Est-ce qu'on lui donne? Tant que j'ai pas ronronné. Ça ronronne un grillon. Attendez. Rêve bleu. Pardon, je pensais pas que ça irait autant dans les aigus. Ah, si tu l'as réparé. Oui. Il a réponse de son papa. On a un signal. Ah, papa serait vraiment vivant. Ils vont tracer. On va peut-être découvrir où il est. Allez, mon papa. Let's go! Je te suis. Je peux te faire trébucher? Ah non. Là, je suis un petit peu. Je suis un petit peu triste parce que lui, je peux pas le faire tomber. Je suis pas palpable. Ou alors, il ne l'est pas. Je dirais plus que c'est moi qui suis pas. Tonya tout à l'heure. T'as vraiment quitté les petits? C'est dangereux ici, mais toi, mon assuré, j'ai besoin de savoir. Allons-y. Ouais, 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 moi je veux me promener, moi. Mince, excusez-moi, je me rends compte que mon truc d'événement, je le vois plus. Voilà. Voilà. Ah! Ah! Voilà. C'est bon. Merci beaucoup pour votre patience. N'y crois pas, merveilleux. Je peux miauler pendant la cinématique. Donc je vais faire que ça. Il m'envoie au casse-pipe seul tout, c'est ça? Ah non.
Regarde-moi tous ces elfes de sœurs, ils vont nous dévorer. Je ne peux pas faire ça. Je suis pas aussi rapide que toi, les sœurs vont m'avoir, c'est sûr. Tiens, prends ce badge. Mon père le reconnaîtra et saura que tu es un ami. Je suis un chat, je ne peux pas être un ennemi. Ouvre la porte, ok. Let's go. Je rêve casseux. Et ben c'est parti pour la zone Zerx. Trop bien les gyrophares, j'aime beaucoup les mottes, elle est cool. Cul de sac. Oh non ! Oh non ! Non ! Allez, allez ! Bordel de Zurx, quoi! Non! Contre deg, alors j'en remiole dessus. Ok. C'est bon, c'est fait! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là. Ah oui, il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça. Ah, j'y vais pas ? Ah, après, je continue. Ok ! Bonjour, Sam ! Une sacrée chute, bah tu m'étonnes! Ça doit être un lit de parade, on doit pas être loin. Oh mon petit château! Pas trop cœur de l'œil! J'ai juste chialé en fait. Il était temps. Il était temps de faire ça. Ouais, super, ouais, je suis dégoûtée. Mais génial des ressorties. Oh, t'appellerais pas comme ça, Sam. Ça va? C'est pas trop dur avec toi-même. Et des grâces, celui-là. Ah, comme tout l'humour de la chaîne, hein. C'est adéquat. Faut que j'aille là ? Il y a plein d'œufs. Il y a un ballon. Ok, faut que je fasse quoi ? Ah,
Ah, il faut que je trouve le papa. On va tenter de trouver son papa. Est-ce que je peux monter? Je sais pas. On va faire ça déjà. Entendu, hein. Entendu, ça a couiné, hein. Faut faire tomber ça, j'ai l'impression qu'il vaut mieux du silence, là. Ah, je suis sûr des trucs dégueux. Je vais leur foutre le seum un peu. Ok, rien. Oh, vivant ou pas? Oh, il est vivant! Mais c'est Doc, quoi! Wow! Hey toi! T'es pas un zin! Mais qui es-tu? C'est mon badge que tu portes? Comment t'as trouvé ça? C'est mon fils qui t'envoie! C'est lui! Mais qui es-tu? Je suis un officier de pays des lustres. Je suis venu tester mon détruxard, mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi, mon fils me manque terriblement. Tu peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. On va pas beaucoup chercher, hein. Y'a pas beaucoup cherché celui-ci. Ok. Ok. Ça déjà c'était important. Et je me fasse les badounes. Oh, je veux le défluxor. Et attention avec les défluxeurs, à chaque fin des heures, s'il en fait de la bouillie. Ce petit consomme... 1,21. Ce petit consomme 1,21 gigawatts. Et le seul truc qui affronte de puissance dans le secteur est le générateur qui est dehors. Et s'il ne démarre pas, je crois qu'un fusible a fondu. Et avec tous ces heures, je ne peux pas prendre le risque de sortir pour l'emplacer. C'est pas ça rapide. Désolé, c'est peut-être un peu fort. Je parlais moins fort. Tu parviens à atteindre le générateur et à remplacer le fusible. Je devrais pouvoir recharger le défluxor. Suis-moi, je vais te montrer. Pourquoi ils veulent toujours m'envoyer me faire bouffer par des urks? Et de quoi se nourrissent les urks maintenant? En vrai. Et pourquoi ils sont enfermés alors qu'ils sont censés se nourrir de métal? Fusible tout neuf, let's go! On va allumer le générateur, machin machin. Bonne chance! Ben ouais. Il est où le générateur? Oh, d'accord, ça a l'air ici. Ça a l'air d'être totalement ici. Ah, la zone... Oh, trop dégueu. C'est là-haut, c'est ça? Ah, il faut que je suive le câble. Faut que je suive le câble, c'est tout bête. J'avais un raccourci, mais j'ai pas vu où le câble passait. Il passe là, après il va là. Après il va là. Ça doit jouer, mais il n'y a pas de zerk. Là, c'est tout. Mais il n'y a pas de zerk sur le chemin. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Il n'y avait rien sur le chemin. À
Ah, dans le générateur carrément. Ah si, il y en a un peu, ouais. Oh, trop marrant. Vas-y, défonce tout. Merci. Fort cordial. C'était où? Non, c'est pas là tout de suite. C'est là. Puis là. Puis là. Ouais, t'aurais pu y aller, hein. Surtout que bon, au retour, au pire, t'as l'arme à la main. Un petit peu, franchement, je vois un petit peu de ma gueule. Générateur du générateur. Et vu comment le défusseur est puissant, c'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. Attends une minute, je pourrais te fixer ce défusseur sur ton gros nom. Ce serait giga sympa. Titi Pachou. Le défusseur est maintenant fixé sur ton joli trône. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance. Tu utilises trop, il peut dysfonctionner. Mais n'oublie pas que c'est dangereux. Et maintenant, retourne au village. Fiston, voilà. Oh oui. Comment j'utilise le défusseur là? Moi je vais utiliser le défusseur. On fout un peu le bordel, de toute façon il s'en va hein. Je me dis c'était Fluxor. LB. Trop cool! Des fixeurs, j'adore. Je vais refondir un peu, ok. Je veux le faire tomber, il y a un mur invisible. Le générateur ne fonctionne pas, on dirait que l'électricité a été coupée. Bon, au pire, il y a le fils de l'autre côté, non? En moins d'ouvrir cette porte, je peux monter peut-être? Passer de l'autre côté? Ah, je peux peut-être monter dans le tuyau, non? Moi, je suis pas sûre, en fait. Là, je teste un truc, mais je suis pas sûre. Hein. En tout cas, c'est un truc à faire avec ça. Un truc rouge. Ah, j'avais pas vu, c'est bon. Oui, d'accord. Oh, je vais me faire attaquer là.
J'ai oublié la touche. Il a surchauffé. Il en restait un, non? Non, c'est bon. Ok, ok, j'ai paniqué, mais ça va. Ah, allez, viens, Doc, là, il y a du monde. Allez, on y va. Allez, viens, Doc. J'ai buté des verrues. Venez. Par là? Non, pas du tout, pas du tout. Vas-y, 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 là, je suis à fond, j'ai trop d'énergie, là. Oh, putain. Bon, les ours. Oh, on a plus. Allez, j'en bats tranquillou, tranquillou. J'ai une arme. Dans le jeu. En vrai, j'ai que... pas vraiment d'arme. À part mes 2 ans de Turling bâton. Oh, c'est ton papa. Oh, il est trop choqué. Et toi, tu veux bien qu'on me lèche? Ah, ils sont contents et tout. T'es trop mignon. Et moi, je me fais gratouiller derrière les oreilles. Merci d'avoir sauvé leur petite amie. C'est vraiment chouette d'essayer, mais je ne sois plus tout seul. Maintenant, c'est qu'on peut contre-attaquer les Zerts. On monte maintenant du côté des égouts. Tac et ses missions l'air contents. Je crois qu'on a bien travaillé, tous les deux. En effet. Même la musique, elle est toute douce. Je me suis remis de la grève que j'ai ramené de la Japan Expo. Ah, t'as ramené la crève ! Remarque, c'est pas étonnant, ouais. Plus, c'était quoi, il y a 10 jours, 2 semaines, 1 semaine ? Oh, je sais plus, c'était quoi la Japan ? Une Japan. Ah, c'est qui ? Ah, c'est bon, moi, il faut que j'aille voir. Faut y aller par là ? Non. Avoir un truc? Non, je peux pas. Ben, où, maman? Ben, où, maman? Et puis là, maman? Non, je veux pas changer la musique, elle est trop cool. Je dois essayer lui alors. On va y aller. Ça me fait un peu penser à une musique qu'on avait dans Spore. Le jeu d'Electronic Arts.
Elle est où? Il va y avoir du sport. Ah, mais vous rappelez pas de sport? C'était trop bien comme jeu. J'en voudrais trop un sport 2. Yo, maman! Je pensais que le garde du bar il m'enseignerait, mais il m'a pas renseigné. Je vais redescendre, on va chercher maman. Oh, t'es qui toi? Hector. Bizarre comme nom, c'est Hector. Toi aussi, t'es bizarre, mec. Je suis censée te caresser, mais je vais m'abstenir. Parce que je comprends pas pourquoi. Je respecte. Je respecte Jika, la décision du type. Non, mais il est où, maman? Je vais voir si je trouve quelqu'un qui peut m'enseigner. Mais si, je me souviens du sport. C'est trop bien, hein. Je vais les voir là-haut. Dans les égouts. Dans les égouts. Dans les égouts, mais oui, voilà, enfin. Attendez, avant, ça vaut bien une petite partition, là. Retour au calme. Yo Morfufu. On arrête la modèle là-dessus. Bisous modèle. Bye bye.